Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ici Karine Rose. Aujourd'hui, je vous présente la recette de la sauce piquante. Hello, welcome back, this is Karine Rose. Today, I'm going to show you how I make my pepper sauce. It's very good for fish, for meat, everything in general. So, I take some scotch bonnet, actually a lot of scotch bonnet, because I like to do my pepper sauce in a batch. So I have enough for a couple of months. So là en ce moment, vous me voyez en train de nettoyer le piment. Et j'aime en faire beaucoup pour en avoir assez pour des mois. Donc là, c'est du piment rouge. Si vous en avez de tout rouge, c'est parfait. So this is the red scotch bonnet. It's ideal if you want to make the red pepper sauce. But since I couldn't find all red scotch bonnet, I had to mix it, and at the end of the video I'm going to show you how I'm going to turn the kind of looking green pepper sauce into the red pepper sauce. Donc à la fin de la vidéo, je vais vous montrer un peu comment on va changer la couleur du piment du vert vers le rouge. Donc là, vous me voyez couper deux oignons et un poireau. On va utiliser la partie blanche du poireau. So right now, I'm cutting two onions and the white part of the leek. I'm going to boil everything together. This way, my house won't smell like pepper. So as I'm showing you, I'm only going to use the white part. We don't need the green one. On n'a pas besoin de la partie verte. On va vraiment juste utiliser la partie blanche du poireau. Et on va tout faire bouillir. Ça évite que la maison sente le piment. Et c'est pratique pour les enfants. Donc là, j'ai lavé le poireau et je vais découper et mettre dans la marmite. At this moment, I'm just cutting the leek. I just washed it. And we are going to boil everything together. I'm adding some salt just for taste. J'ajoute du sel. Et là, j'ajoute du pebe. Comme au Cameroun, on l'appelle pebe. Au Gabon, on l'appelle muscade de Gabon, muscade du Gabon, ou fausse muscade. So, I'm adding here some calabash nutmeg, like my Nigerian people would call it, or false nutmeg. It will add a little bit of flavor. J'ai cassé, là, vous voyez, j'ai cassé en fait le pebe. Parce qu'il y a une coque et on va juste utiliser ce qui est à l'intérieur. En fait, c'est comme une noix. On va la casser. Donc là, vous me voyez l'ouvrir. So as you can see, I'm opening the nutmeg. You can use a knife, but be careful. We crack it open and we use the nut inside. Vous pouvez utiliser un couteau, mais faites attention de ne pas vous blesser. Now we are adding some water. On ajoute un peu d'eau pour pouvoir porter à ébullition. Et on va mettre à cuire pendant environ 20-25 minutes. So after adding the water, we close it and put it to cook for about 20 to 25 minutes. As you can see, it's boiling. Donc comme vous pouvez le voir, c'est en train de bouillir. Et de cuire en même temps. Après 20 minutes, le piment, l'oignon, le poireau et le pebe sont absolument cuits. Comme vous pouvez le voir, c'est encore tout chaud et je mets directement dans le mixeur. As you can see, at this point, the scotch bonnet, the leek, onion and the calabash nutmeg, they are all ready and we are going to mix it.
So I filled the mixture and I don't need to add water because there's enough water in there. Donc tout est dans le mixeur et j'ai pas besoin d'ajouter de l'eau parce qu'il y a assez d'eau déjà dans le mixeur. Donc après l'avoir écrasé, voilà ce à quoi ça ressemble. Donc je l'écrase complètement. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un peu verdâtre parce que notre piment était vert. So after mixing, as you can see, this is the pepper sauce already, but it's still green because we use green scotch bonnet. So I'm going to add some cayenne pepper to give it the red look that we need or that we want. Donc là, j'ajoute du poivre de cayenne juste pour donner la couleur rouge qu'on veut donner à notre sauce pimentée. Mais si vous avez trouvé du piment rouge, vous n'avez pas besoin d'ajouter ça. Et on va aussi ajouter un peu de sel pour avoir de la saveur. We are also adding a little bit of salt for taste. I'm going to mix it again and this is the final result. As you can see, it's red the way we want it and we can transfer it into a bowl. Donc maintenant, on va mettre dans le bol. Ça, c'est le bol que je vais utiliser et ça, les petits bols transparents, ce sont les bols que j'utilise pour conserver au congélateur comme réserve. So I'm putting some more pepper sauce on the side. The two other bowls are going to go in my freezer. I'm just going to let it cool and after, let's say 15 minutes or 20 minutes, I'm going to put it in the freezer. And at this point, I don't add oil in the bowls I'm going to keep. I just add oil in the one I'm going to use immediately and put it in my fridge. Donc j'ajoute de l'huile dans le bol que je vais garder au frigo. Et les deux bols qui vont aller au congélateur, je n'y ajoute pas d'huile immédiatement. Mais lorsque j'en aurai besoin, disons dans un mois ou dans deux, et que je vais les sortir du congélateur, là je vais ajouter de l'huile. So I'm going to add some oil, let's say in 2 weeks or in a month, when I take out the other bowls of pepper sauce from the freezer. So this is the final result. I'm very, very happy about it. And I'm going to cover and put it in my fridge. Donc là, c'est le résultat final. Je couvre et je mets au frigo. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez du piment ou bien si vous comptez essayer cette recette. Please don't forget to like, to subscribe, to comment down below if you like pepper sauce or if you're going to try this recipe. And I will see you next time. Bye!